Comment vous l'avez vécu, vous, Ludovic, cette expérience? Ah, c'est un rêve, c'est vraiment quelque chose qu'on vit, à mon avis, pas deux fois dans sa vie. On prépare ce voyage assez à l'avance, donc on est en cinquième quand on le prépare et on part fin de réto. Donc 2 ans de préparation. Oui, presque 2 ans de préparation, mais ce qui nous permet également déjà au groupe de se connaître, vu qu'à la base on ne se connaît pas tous. Soit on vient tous d'une réto, mais on ne se connaît pas spécialement, soit il y en a qui nous accompagnent en plus. Et donc pendant presque 2 ans, on prépare notre voyage, donc on fait également des activités pour récolter peut-être des fonds, nous c'est ce qu'on avait fait, pour pouvoir, en fait on a offert du matériel scolaire et on en reparlera peut-être tout à l'heure. Donc récolter des fonds d'abord pour vous pouvoir Pour nous, partir et ouais, puis c'est pour ça. la population là-bas. Exactement, ouais. Et puis alors ça nous a permis, donc nous on avait fait une vente de BIC Équateur 2006, et ça avait bien marché, et on a pu offrir des cahiers, des BIC, du matériel scolaire, et également des ballons pour des enfants là-bas sur place. Vous êtes parti combien de temps? Un mois. Et comment est-ce qu'on vit une expérience comme ça? Quel est le déroulement d'un mois de vacances en Équateur? En plus d'expliquer ce mois-là, c'est un mois. En fait, on arrive, donc comme il expliquait, on arrive, et puis on a d'abord les cours d'espagnol. Donc ça nous met directement dans le bain. Je ne parlais pas du tout un mot d'espagnol à l'avance. Et puis, tout s'enchaîne tellement vite, en fait. On reste 5 jours à un endroit, donc là, on était à Quito. Et puis on est parti 2 jours ailleurs, et puis ainsi de suite. Donc tout s'enchaîne très vite, et chaque fois on passe d'un paysage à un autre, de certaines habitudes à d'autres habitudes. Soit on loge une fois ensemble, soit on va chez l'habitant. Donc tout s'enchaîne très vite, mais on a chaque fois le temps vraiment de non seulement d'aider ou d'apprendre ou de rencontrer les gens chez qui on est. Et puis aussi de s'amuser. On est parti à Papallacta, par exemple, à la plage, et là. C'était plutôt ambiance surf, tong et enfin, plage, bronzage, etc. Et puis alors, il y a d'autres endroits où, par exemple, on arrive à Guayaquil et là, on construit des maisons pendant 5 jours. Et là, c'est totalement différent, mais c'est aussi enrichissant, si pas plus. Là, on construit des maisons avec l'habitant qui est juste à côté de nous et qui nous aide à donner les planches pour sa maison. C'est des trucs qu'on ne fait pas 2 fois dans sa vie. Est-ce que selon vous, au niveau du pays, de l'Équateur, quelqu'un qui voudrait partir, mais en voyageant de manière avec un séjour normal par une agence de voyage, par un tour opérateur, c'est quelque chose qui est possible aussi, ou est-ce que vous conseillez vraiment une formule à dimension humaine, Ah, comme on moi l'appelle? je la conseille à 200%. On peut partir visiter un pays en suivant. Oui, ça dépend en fait le voyage qu'on veut. Si on part en se disant je veux du confort, je veux rester dans mon hôtel tous les jours et aller visiter quelques beaux endroits, pourquoi pas, c'est également une visite, mais à choisir entre les deux, moi je repars directement avec Émotion Planète. Tout simplement parce que Il fait je votre connais pub, pas hein. d'autres voyages. Oui, voilà, Vous l'avez bien briefé. c'était un cri qu'on avait aussi pendant Ah, le Il a voyage. bien raison. Mais non, mais c'est parce qu'il n'y a pas d'autres voyages. Moi, je connais pas d'autres voyages qui proposent de J'ai tels. rien De... dit. Non, non, ça c'est vrai. Mais un tel mois, on fait tellement de choses et puis il n'y a rien à faire. Jean-François est là pour nous dire voilà, on va à tel endroit parce que pendant 2 ans, justement, on a l'occasion d'en discuter ensemble et d'organiser le voyage. Mais à partir du moment où on est sur place, on vit un peu chacun à son rythme et on voit des choses, on va chez l'habitant, ce qu'une une agence de voyage ne nous ferait peut-être pas. Marie-Françoise, vous êtes leur professeur et vous avez initié un petit peu avec Jean-François ce voyage. Vous l'avez vécu aussi. Oui, bien Vous sûr. êtes partie. Je suis partie pendant un mois avec eux. Vous, en tant que professeur, comment vous l'avez vécu et quel est l'impact, vous pensez, sur vos étudiants? Alors moi, j'ai découvert là une formule de voyage plutôt de type initiatique, je dirais, Oui. puisque c'est un voyage qui amène vraiment une transformation intérieure de ces jeunes. Je les ai découverts changés complètement au bout d'un mois, à une période importante de leur vie. À 18 ans, je pense à un moment où ils doivent prendre des décisions par rapport à leurs études, leur avenir. Et ce voyage-là a vraiment approfondi cette décision, leur a fait découvrir des valeurs essentielles. Les a fait passer d'un monde de confort, du petit cocon familial, par une rupture d'un mois, à une découverte d'un monde où on pouvait être heureux, avec des choses très simples.
Je pense que moi-même, je ne prends plus jamais ma douche de la même façon. Donc vous aussi, ça a eu, ah, oui, ça a eu tout un à effet fait. le même que pour ces jeunes étudiants. Bien Vous sûr. êtes revenu changer de ce voyage. Oui. C'est quelque chose que vous allez réinitialiser pour les années Mais à venir? j'espère, j'organise beaucoup de voyages au collège, des voyages scolaires traditionnels, des échanges européens, mais celui-ci a vraiment une dimension particulière. On a beaucoup parlé de rencontres avec la population, Oui. mais au niveau du groupe aussi, il y a eu une évolution. Parce que ces jeunes venaient de classes différentes, venaient de l'enseignement général et de l'enseignement technique. Et là aussi, au départ, il y avait des petits groupes, des clans. Et au fur et à mesure du voyage, je ne sais pas si c'est la rencontre avec les habitants, mais il y a eu aussi, à cause de ça, une rencontre des Entre jeunes les entre eux étudiants. qui sont devenus vraiment très, très Ouais. solidaires. On se quitte plus. Hein. Il D'ailleurs, n'y a rien à vous êtes faire. encore ici Ah aujourd'hui ouais, on est ensemble, hein, encore voilà. là. Non, c'est vrai, on se quitte plus. On a tous nos adresses e-mail, on s'écrit, on se voit même régulièrement, j'ai envie de Vous en dire. reparlez aussi de Ah ce ouais, voyage. c'est inévitable. Dès qu'on se revoit, c'est. Bah, ça va, oui. Oh, tu sais quoi, j'ai vu un reportage sur l'Équateur. Mais il n'y a rien à faire. Et puis maintenant, même on organise. Entre nous maintenant, des soirées ou quoi, où on se rencontre avec les futurs groupes qui partiront, c'est vraiment, Ils ont appris à il y a apprécier la l'après-Équateur. différence. Exactement. Toujours facile ça de est-ce qu'il n'y a pas des moments un peu plus difficiles quand on vient du petit confort de chez nous, de vivre ce type d'expérience? Ça doit pas être facile tous les jours quand même. Bah, quand on arrive là, d'abord, on se cherche un peu. Oui, bon, la salle de bain, elle est un peu comme ça. La douche, elle n'a pas l'air très, très propre. Mais bon, finalement, à la fin, on s'en fout. Si on s'est lavé dans le fleuve quand on était en Amazonie, ben, on s'en foutait, quoi. On était là, on se maquillait même plus pour sortir. On s'en foutait. On était bien, on était avec les gens avec qui on s'entendait bien. Et puis, on avait notre groupe. Et même le fait qu'on soit pas fait les cheveux ou quoi, ça avait aucune importance. On était bien, on était chouette. Est-ce qu'on revient, Catherine, changée d'une expérience comme ça? Ah oui, tout à fait. Quand on part, on se demande ce qu'on va voir. Et puis, quand on est là-bas, on voit tellement de belles choses, on a tellement de contacts avec les gens. Ils nous donnent tellement en échange de peu. Et on revient, on n'est plus pareil, on ne pense plus de la même manière. Et on voit, par exemple, des gens là-bas qui n'ont pas d'eau. Ils n'ont pas l'eau courante. C'est un camion qui vient leur porter de l'eau de temps en temps. Et ils doivent payer une fortune pour un peu d'eau. Et quand on revient ici et qu'on se dit qu'ici, on a toutes les commodités, on peut avoir de l'eau, mais comme on veut. Et donc, on prend conscience que tout le monde n'a pas cette chance. Vous pensez qu'il faut avoir vécu ce genre d'expérience pour avoir une prise de conscience réelle? Ouais, il faut absolument avoir vécu parce que les gens qui n'ont pas vécu ne peuvent pas comprendre. Même quand on en parle autour de nous, je pense que les autres ne comprennent pas. Vous étiez très jeune quand vous êtes parti, enfin vous êtes encore très jeune, mais vous aviez à peine 17 ans quand vous avez vécu cette expérience. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans ce pays, dans les paysages, dans la population? Les paysages sont tellement différents d'une région à l'autre, c'est vraiment magnifique, on se croirait dans un rêve. Et puis les gens sont tellement gentils qu'on aille n'importe où, même dans les transports en commun, les gens viennent vous parler, vous demandent mais d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais ici? Et donc, comme on a quelques notions d'espagnol, on peut leur répondre. Et puis, ils sont contents de voir des gens qui viennent d'ailleurs et qui sont là pour découvrir leur pays. Et qu'est-ce que vous retenez de ce voyage? Ah, c'était magnifique. Franchement, un mois, donc vraiment le temps de s'acclimater, de voir les choses de manière totalement différente qu'en restant une semaine seulement dans un pays. On a beaucoup voyagé parce que l'Équateur, il faut savoir que c'est très, très, très différent. C'est des paysages totalement différents à chaque fois. Donc, nous sommes allés de Quito, donc de la capitale. Nous sommes partis en Amazonie. On a fait des sommets. Enfin, ouais, c'était plutôt un sommet. On était à 4100 mètres. On est allé à la côte. Donc, on a vraiment un peu vu de tout. On a rencontré des gens vraiment charmants et extraordinaires. On a logé dans des familles. Oui, dans les familles, nous étions deux, donc forcément, on vivait la vie, leur vie de tous les jours. Donc, c'était des familles d'artisans. Ça, c'était vraiment. Enfin, moi, c'est un des plus beaux souvenirs que j'ai. Et puis, bah, oui. Selon vous, c'était important de faire découvrir ça à des jeunes? Tout à fait. Tout à fait. En fait, quand j'ai entendu parler du projet, j'ai tout de suite été emballée. Je suis enseignante en éducation physique et j'essaye en tout cas de donner cette petite chose aux élèves, c'est de s'ouvrir un peu sur le monde, découvrir autre chose, qu'ils aient une autre vision que ce qu'ils ont tout près d'eux.
Et là, je crois que c'était vraiment réussi. Donc, c'est une expérience à réitérer? Ah oui, tout à fait.